ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Mais notre situation, nous avons compris qu'on était là, dans ce monde-là, et qu'on ne voyait pas. Et partant de cela, on avait des dons. Depuis notre bas âge, on a des dons pour la musique. Donc on s'est battu, on a accepté notre sort, et c'est comme ça qu'on a pu faire quelque chose. Nous, on n'a jamais aimé la violence. On chante, on lance le message contre la violence. Nous, on est contre la violence. On veut la paix. On veut que la paix. On veut la paix dans le monde entier. Mais notre musique, c'est de la musique africaine, malienne, avec des influences de blues et de rock, et puis beaucoup d'autres influences, parce qu'on aime tous les genres de musique. Donc, on les mélange. La musique du Mali, ça va très bien, parce que chez nous, chaque ethnie a sa musique. Au Mali. Tu peux compléter? Ouais. La musique au Mali, les instruments, c'est le djembé, la percussion, le ngoni, qui est une guitare traditionnelle, et la kora, balafon. Donc il y a beaucoup d'instruments traditionnels, le violon a une corde aussi. Mm-hmm. Donc c'est ça la musique au Mali. Mm-hmm. D'être ici en Colombie, ça veut dire que notre musique a dépassé les frontières de l'Afrique, de l'Europe pour venir ici. Donc on ne peut que s'en flatter. Mais je pense que si on est en Colombie aujourd'hui, ça doit être une joie parce que lorsqu'on a commencé à rester en France, les premiers musiciens qu'on a fait appel, c'était des Colombiens, mais on ne savait jamais qu'on allait venir là. C'est ça. Mm-hmm. Il y a la clé, c'est d'accepter. Prendre le courage. D'abord, accepter sa situation. Oui. En acceptant sa situation, prendre le courage de faire changer les choses. Voilà. Et d'être optimiste, de se dire que, quelles que soient les choses, on peut arriver à faire quelque chose. La vie, c'est de haut dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'avons